Καλησπέρα σε όλους στην Ελλάδα από την Αθήνα. Μύρ Μπορεμά, κολέγεται μη γκατιρανά δε Απολωνία. Bonsoir à tous, où que vous soyez, et notamment en France, vous qui avez décidé de passer les premières heures du couvre-feu avec nous. Je suis très heureux de présenter ce soir une conférence sur les recherches en cours à Apollonia, cette cité fondée par Corcyre et Corinthe à la fin du 5e siècle avant notre ère. Et je remercie Véronique Chankowski, la directrice de l'EFA, et Lauriane Sève, la directrice des études, de m'avoir proposé de participer à ce cycle de conférences. Je regrette que cette conférence ait lieu sous la forme d'une visioconférence, mais je me réjouis par ailleurs que des personnes éloignées d'Athènes puissent y assister. D'après les programmes de séminaires et de conférences que j'ai pu consulter, cela faisait longtemps, sinon une éternité, que personne n'avait parlé d'Apollonia à l'EFA. Cela tient sans doute notamment au fait que je suis le premier membre scientifique à avoir été recruté pour mener un dossier expressément apolloniate, quoique l'école ait déjà essayé, avec des succès variables, d'envoyer des membres à Apollonia depuis Athènes. Pourtant, l'histoire des recherches françaises à Apollonia est intimement liée à la naissance et au développement de l'archéologie française dans la grande péninsule balkanique, au moment de la naissance des États modernes, en particulier la Grèce, de l'indépendance de laquelle nous célébrons cette année le bicentenaire, puis dans le sillage de l'armée d'Orient de la Première Guerre mondiale. Léon Ray faisait partie du service archéologique de l'armée et fonde la mission française d'Apollonia en 1923, dans le cadre de laquelle il conduit des fouilles à Apollonia jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Le retour, pour ainsi dire, de la mission française a lieu en 1993, dans un contexte d'ouverture des pays communistes de l'Europe de l'Est. C'est alors Pierre Cabanne qui fonde les bases de la collaboration étroite entre Français et Albanais que l'équipe actuelle continue de faire vivre aujourd'hui, sous la direction conjointe de Stéphane Verger, directeur d'études à l'EPHE et directeur du Musée national de Rome, et de Bélissa Mouka, chercheuse à l'Institut archéologique de Tirana, dont elle dirige le département des Antiquités et qui est également professeure invitée à l'Université de Tirana. Cette mission reçoit le soutien du ministère des Affaires étrangères et sur place le soutien indéfectible de l'ambassade de France à Tirana, des écoles françaises d'Athènes et de Rome et des laboratoires de rattachement des directeurs successifs et des membres de la mission. J'ai choisi d'aborder ce soir un sujet au centre de mes préoccupations, mais qui concerne en réalité les travaux de toute l'équipe franco-albanaise. En interrogeant la question des rapports et des influences entre le rempart et l'urbanisme à Apollonia, je présenterai non seulement les opérations et les études que je mène pour l'étude architecturale, archéologique et historique du rempart, mon dossier à l'EFA depuis 2017, mais j'indiquerai aussi les apports des autres études actuellement conduites par mes collègues, ainsi que les points sur lesquels nous progressons conjointement. Ma présentation suivra une organisation assez linéaire, mais il ne faut pas oublier que derrière cette linéarité, la recherche est constamment faite d'allers-retours et de va-et-vient entre toutes les données anciennes, nouvelles et celles que l'on espère créer un peu rapidement. Je commence donc par présenter l'état du dossier tel qu'il était en 2017 au moment où j'ai récupéré, on va dire, l'étude du rempart d'Apollonia et de ses implications urbaines. Je rappelle simplement qu'Apollonia, donc, c'est une cité fondée par des gens de Corcyre et de Corinthe à la fin du 7e siècle, à l'extrémité d'un promontoire rocheux qui donnait sur une lagune aujourd'hui asséchée et sur la mer Adriatique. Dans l'historique d'abord des recherches, on peut distinguer dans un premier groupe constitué des grands voyageurs. Le premier d'entre eux, c'est Cyriaque d'Ancône, dont la visite atteste principalement que le site était connu et identifié dès le 15e siècle. C'est avec Léon Usé et Honoré Daumé, dans leur cadre de leur voyage pour le compte de l'empereur Napoléon III, que commencent les enquêtes un peu plus précises sur Apollonia, puisque ces deux voyageurs donnent une description assez détaillée de la ville, une description topographique qui utilise le rempart ou ce qu'il en reste comme cadre de définition de la ville. L'étape suivante est franchie avec Alfred Gilieron, qui réalise un voyage d'exploration en Épire en 1876, dont il rend compte dans deux publications,
Et dans l'une d'entre elles, il donne le premier plan d'Apollonia à l'échelle 1/5000. À part une mauvaise orientation polaire du plan, ses remarques et le plan sont globalement justes. Les recherches archéologiques à Apollonia commencent dans les dernières années de la Première Guerre mondiale, au moment où l'Empire austro-hongrois occupe l'Albanie et le Monténégro, et c'est l'archéologue autrichien Camillo Prachniker qui conduit d'abord des observations générales, encore une fois là accompagnées d'un plan, où il décrit un certain nombre de murs, même s'il explique dans son texte que les vestiges du rempart sont difficilement visibles. Les ordres de grandeur sont plutôt justes et il fait le lien avec les sources historiques disponibles. La seconde publication rend compte des fouilles qu'il a menées, en particulier sur le rempart est, c'est-à-dire cette zone ici, sous la chapelle d'Ayaroparaskevi, qui est en fait le monastère. Et il décrit très précisément la morphologie de ce mur, son épaisseur, son organisation, briques, son escalier. Et il fouille également sur le mur intérieur ici, que j'appelle le diatechisma, je reviendrai là-dessus, qu'il indique comme étant un mur tardif, même si les éléments de datation ne sont pas très clairs. Sur ce nouveau plan, Prachniker fait figurer trois enceintes concentriques. La première aurait encerclé l'acropole nord, la seconde entourait la ville haute, et la dernière est le grand circuit déjà décrit par d'autres. Il ne trouve pas d'éléments chronologiques précis pour ces trois ensembles, ce qu'il appelle en allemand des Mauerring, même si le matériel céramique oriente vers le IVe siècle, sans qu'on sache s'il s'agit de la construction ou d'éventuels réaménagements. Apparaissent également sur ce mur un certain nombre de, sur ce plan, des murs intérieurs sur lesquels je reviendrai, parce qu'ils posent un certain nombre de problèmes. J'ai déjà parlé de Léon Ré, qui, dans le sillage de l'armée d'Orient, fonde la mission française en 1923 et conduit des fouilles jusqu'en 1939. Ces fouilles concernent principalement le centre monumental, les monuments qui sont ici, en particulier le portique aux 17 niches, et il n'est question du rempart que de manière marginale, d'abord dans la description générale de la ville, où il remarque que la pente ouest du promontoire est sans doute plus propice au développement d'une ville, et d'autre part avec le mur de Téménos, qui est le mur de soutènement de l'acropole sud, qui pourrait faire penser à un mur de fortification. Par la suite, pendant la Seconde Guerre mondiale et une autre occupation, celle-ci italienne, l'archéologue Pellegrino Claudio Sestieri conduit des fouilles dans plusieurs secteurs, à la nécropole, dans un édifice qu'il identifie comme un gymnase, et surtout sur le rempart est, ici numéroté numéro 22, dans la continuité des fouilles de Prachniker. Ces datations oscillent entre le 5e et 4e siècle pour la construction et l'époque romaine pour l'élévation en briques. Comme tout grand site archéologique, Apollonia a eu sa grande fouille. Et la grande fouille d'Apollonia correspond aux années 1958-1960, où une équipe d'archéologues albanais et soviétiques entame des fouilles dans un certain nombre de secteurs. Et sur ce plan qui récapitule les fouilles menées de 1923 à 2003, la plupart des secteurs qui sont désignés par des lettres correspondent à cette période. Ces années sont déterminantes dans l'histoire des fouilles et des recherches à Apollonia. C'est en effet à cette occasion que sont ouverts de nombreux secteurs de fouilles et abordées des thématiques de recherche dans lesquelles et sur lesquelles les archéologues travaillent encore aujourd'hui. Pour le rempart, Hassan Tseka et Sokolovski fouillent dans le secteur A, qui correspond au rempart Est, avec la courtine en briques dont vous verrez des images plus tard et qu'il dégage sur 35 mètres. Skander Anamali et Vladimir Blavatsky fouillent dans le secteur C en surplomb du rempart nord-est, qu'il date ce rempart du 5e siècle avec un remaniement au 3e siècle. Et dans le secteur K, ici, une tour est dégagée. Les fouilleurs livrent un nouveau plan qui est basé sur celui de Prachniker avec seulement certaines clarifications. Dans les décennies suivantes, les opérations archéologiques continuent sous la direction d'archéologues albanais et en premier lieu d'Hassan Tseka, le grand archéologue albanais qui mène quelques opérations sur le rempart en 1961-1962 dans la continuité des travaux entrepris avec les soviétiques et qui propose un article de synthèse sur l'enceinte d'Apollonia en 1923, « Muri Rethuesi Apollonis ». Il y fait part de nouvelles découvertes au rempart Est et formule des hypothèses de datation sur la fortification.
Le premier état daterait du IVe siècle et les renforcements successifs correspondraient à des moments connus par ailleurs dans l'histoire d'Apollonia, à savoir les guerres macédoniennes au IIIe siècle et au IIe siècle, l'arrivée de César en 48 avant notre ère et la révolte illyrienne au tout début, au 1er siècle de notre ère, avant une dernière étape plus tardive située au IVe siècle après notre ère avec la construction du mur intérieur, ce que j'appelle le diathétisme. Par la suite, c'est Vangel Dimo qui fouille principalement sur le rempart ouest, dont il dégage environ 250 mètres, et en particulier une porte et une tour. Et ces travaux s'accompagnent de l'élaboration de plans et de dessins qui ont au moins le mérite de donner une bonne idée de l'état des vestiges au moment de leur découverte, qui est meilleur qu'aujourd'hui. Par la suite, et enfin, c'est le dernier, avant le retour de la coopération franco-albanaise, c'est l'ami Kocho, qui mène, lui, des fouilles dans tous les secteurs qui concernent le rempart, au cours de cinq campagnes de fouilles, dont il en compte assez brièvement, et sur lesquelles, d'après lesquelles, il a fondé sa thèse de doctorat, qui est restée inédite. Il dégage notamment des portes qui n'étaient pas encore connues, notamment la porte est, la porte sud et la porte nord-est. Au cours de ces fouilles, les datations aussi, sont souvent réparties en trois phases. Une phase archaïque, 7e, 6e siècle avant notre ère, une phase fin d'archaïque classique, 6e, 5e siècle avant notre ère, et une phase de l'époque hellénistique. L'ami Kocho prend part à ce que j'appelle l'équipe de l'Atlas. Donc Pierre Cabanne, qui fonde la mission épigraphique et archéologique franco-albanaise d'Apollonia d'Illyrie en 1993, confie à une équipe composée de Claire Ballandier, de l'ami Kocho et de Philippe Lénard la tâche de dresser un relevé topographique exhaustif du rempart et de proposer une ébauche d'analyse architecturale et historique. Cette grande enquête topographique et morphologique a demandé 10 années de campagne de terrain à l'équipe avant la finalisation pour la publication dans l'Atlas qui est paru en 2007. Les relevés de toutes les structures importantes sont réalisés à l'échelle 1/250. Vous voyez ici les portes, les porternes et les tours. Et le résultat le plus important, c'est un nouveau plan, exhaustif et précis, où l'on fait bien la distinction des segments connus et des segments restitués. Voilà donc l'état de la documentation graphique. Un certain nombre de plans, et celui de l'Atlas, qui est le plus fiable, et quelques relevés architecturaux, mais leur manque de systématisation et d'harmonisation les rend peu exploitables en l'état. Les études synthétiques ont déjà été citées, c'est l'article d'Hassan Seka et le chapitre sur les fortifications dans l'Atlas de 2007. En l'absence de monographie, il n'y a pas d'autres références pour l'instant. Les fortifications d'Apollonia sont par ailleurs intégrées dans des études régionales ou nationales, c'est-à-dire concernant les sites antiques albanais, comme c'est le cas donc, de ces articles, celui d'Apollon Bache sur les fortifications en Albanie et les deux articles de Gira Karaskaï sur les fortifications d'Albanie pendant la période romaine et un autre sur la très longue durée. Certaines de ces publications proposent des typologies, c'est le cas de Kocho Jekou sur les techniques et les matériaux de construction et d'Apollon Bache sur les tours, les décrochements et les plateformes d'artillerie. Encore une fois, il n'y a pas de publication monographique et à part le volume qui est un livre effectivement de Karaskaï sur les fortifications sur la très longue durée, il n'y a pas de livre sur Apollonia. À partir de là, quel est l'état des connaissances sur les développements du rempart et de la ville? Le schéma morphologique et chronologique général du rempart d'Apollonia, qui est souvent repris, est le suivant. Construction d'une première enceinte autour de la ville haute et des deux acropoles, phase plutôt située à l'époque classique ou selon certains à l'époque archaïque. Élargissement de la fortification avec la construction du mur en grand circuit, au IVe ou au IIIe siècle avant notre ère, et avec la question de savoir s'il s'agit là d'un Gelenmauer, et pour ceux qui ne sont pas spécialistes de fortifications, j'expliquerai ce que ça veut dire, et un rétrécissement du périmètre de l'enceinte et de la surface de la ville au moment d'un déclin de la cité, situé le plus souvent entre le IIIe et le VIe siècle de notre ère, mais vous voyez dans une fourchette assez large. Ce schéma en trois phases correspond à des jalons de l'histoire d'Apollonia connus par les sources littéraires,
mais surtout à des évolutions de l'urbanisme de la cité qui ont été mises au jour grâce à plusieurs campagnes de prospection géophysique. Vous voyez là un aperçu de la topographie générale du site. Donc, l'exploration par la prospection géophysique a été utilisée à plusieurs reprises à Apollonia par l'équipe franco-albanaise et par l'équipe germano-albanaise. Plusieurs réseaux urbains ont notamment été identifiés, l'un dans la ville haute, d'orientation est-ouest, de dimension modeste, avec des îlots qui mesurent 13 mètres de large, et l'autre dans la ville basse, de grande dimension, 60 mètres de large sur 153 mètres de long. Le premier réseau, le réseau bleu ici, est attribué à l'époque archaïque, et le second réseau, qui est le réseau rouge, est attribué à l'époque hellénistique, même si les vestiges dans le réseau rouge qui ont été fouillés de manière extensive datent d'époque romaine et impériale. C'est sur la base de ces découvertes et de l'enquête topographique de l'Atlas qu'a été élaboré le dernier plan d'Apollonia avec la restitution des réseaux urbains sur l'ensemble de l'aire urbaine. La dernière question qui se pose à la lecture des études précédentes, c'est celle d'une spécificité supposée, affirmée, apolloniate ou illyrienne. À quelle communauté stylistique et technique Apollonia pourrait-elle appartenir? Colonie grecque en pays illyro-épirote, est-ce qu'elle a été un vecteur d'importation de techniques grecques ou est-ce qu'elle a été influencée par les savoir-faire locaux? Cette question pose évidemment le problème des transferts culturels et techniques entre les populations grecques et les populations illyriennes. J'en viens donc maintenant aux opérations qui ont été menées entre 2017 et 2020 et dont on espère qu'elles reprendront le plus vite possible. La mission archéologique franco-albanaise d'Apollonia a commencé en 2017 un nouveau programme pluriannuel, quadriennal pour le ministère des Affaires étrangères, quinquennal pour les écoles françaises d'Athènes et de Rome, sous la direction conjointe de Stéphane Berger et de Bélissa Mouka, avec des objectifs très ambitieux. Pour l'équipe, c'était un petit peu les Olympic Games. Publication des fouilles anciennes, purification de l'organisation des réserves, renouvellement des données cartographiques et graphiques, lancement de nouveaux programmes de recherche, à la fois thématiques et recherche archéologique avec les fouilles. Les différentes campagnes qui ont eu lieu jusqu'en octobre 2020 témoignent de la vivacité des travaux en cours à Apollonia, qui sont l'œuvre d'une équipe très dynamique. Je vais parler successivement de ces différentes opérations, parlant d'abord avec les études de l'exploitation des données existantes, en particulier de ce qui a été fouillé depuis 1993, et ensuite de la création de données nouvelles, à la fois sur l'existence, sur ce qui est déjà dégagé, et sur ce qui n'est pas encore visible, avec des méthodes non intrusives ou des méthodes intrusives. Les fouilles réalisées depuis 1993 par l'équipe franco-albanaise n'ont pas concerné directement le rempart, sauf pour la fouille d'une barbacane du rempart est. Elles se sont consacrées sur les édifices de l'intérieur de la ville, dans le prolongement des fouilles de Léon Ré d'abord, et sur l'agora hellénistique et son accès. Les études du matériel issu de ces fouilles, en vue de leur publication, étaient un objectif central des campagnes de terrain de ces dernières années. Le plan de publication comprend d'abord des volumes sur les ensembles topographiques et architecturaux des fouilles. Jean-Luc Lambollet et Altin Skanderaï dirigent deux volumes, l'un sur le secteur G, l'autre sur l'accès oriental de l'agora hellénistique. L'équipe de la ville haute dirige également un volume sous la conduite de Samir Chpouza, Stéphane Berger, François Quintin et Philippe Lénard. Une amélioration du rangement des réserves archéologiques de la maison de fouilles ainsi que la reprise de tous les ensembles céramiques pour la préparation des publications, a conduit l'équipe à proposer la publication de trois volumes consacrés à des ensembles céramiques bien contextualisés, répartis chronologiquement. Stéphane Verger publiera un volume sur la céramique d'époque archaïque et classique, Cécile Rocheron un volume sur la céramique d'époque hellénistique et Marie-Hélène Barrière un volume sur la céramique d'époque romaine et impériale. Et c'est le dernier volume dans l'ordre chronologique qui est déjà prêt et en cours de publication dans la collection des recherches archéologiques franco-albanaises. Je ne détaille pas le contenu de ces études, mais j'insiste sur l'apport crucial qu'ils apporteront pour tous les travaux à venir à Apollonia et plus largement dans la région.
Nous ne disposions pas jusqu'ici de référentiel exhaustif sur le matériel céramique que l'on trouve à Apollonia et ces publications viendront combler ce manque. Pour finir, des études thématiques sont en cours, là aussi accélérées par l'accès facilité au matériel dans les réserves de la maison de fouilles et leur nouveau rangement. Je mentionne simplement l'étude des figurines en terre cuite de la choroplastie par Bélissa Mouka ou celle des fragments architecturaux par François Quentin et Philippe Lennart. Comme on a toujours du mal à rester sur nos acquis, il était évident qu'on allait évidemment se projeter dans l'avenir et créer des données nouvelles. L'équipe d'Apollonia a mené, depuis 2017, un renouvellement profond de la documentation visuelle et topographique disponible en utilisant de manière systématique l'outil photogrammétrique à différentes échelles, de celle de l'ensemble du site à celle des petits objets conservés dans les salles de musée et dans les réserves. Cette démarche s'inscrit dans une volonté de mener l'étude architecturale du site, en particulier du rempart, et de compléter la documentation des fouilles achevées et futures. Les protocoles d'acquisition et de traitement des données ont été adaptés aux différentes échelles de modèles voulus, bâti, mobilier archéologique, site complet, grâce aux compétences et au savoir-faire de Jean-Baptiste Wall, ingénieur de recherche à Auroch, et de Mathilde Ferrari, archéologue topographe spécialisée dans la photogrammétrie 3D et aujourd'hui à l'INRAP. Voici les différents édifices qui ont été couverts par la photogrammétrie à pied, éventuellement aidée du drone, entre 2017 et 2018. Et je vous présente quelques exemples avec aussi des objets, cette olpé corinthienne, le portique aux 17 niches de Léon Ray, dont François Quentin prépare la publication, et un certain nombre de segments du rempart. Ici, la porte nord-est, dont on reparlera abondamment un peu plus tard, et ici, la porte sud. Le modèle 3D général du site a été réalisé par Jean-Baptiste Wall après deux campagnes d'une semaine chacune, avec un traitement dans le même type de logiciel et l'export des mêmes types de résultats. Plusieurs perspectives d'utilisation de ces modèles se sont précisées. Il s'agit d'abord d'une sorte de duplicata des vestiges qui, dans les logiciels de 3D, peuvent faire l'objet de mesures, ce qui permet de travailler à distance ou en tout cas de faire certaines vérifications. Je l'ai dit aussi, les modèles 3D ont été faits dans la perspective de l'élaboration d'illustrations visuelles et graphiques pour les publications des fouilles passées, en particulier pour le secteur G et les fragments architecturaux. C'est aussi un support de l'analyse de réflexion pour la topographie générale de la ville, en particulier pour le modèle 3D général de la ville, à un niveau de détail assez intéressant. C'est aussi le support pour l'analyse architecturale avec une nouvelle chaîne de travail que je vais présenter à l'instant. Et enfin, vous le verrez aussi quand je présenterai les fouilles qui ont eu lieu, nous avons utilisé la photogrammétrie pour documenter abondamment les fouilles dans leurs différents états. Donc pour l'étude architecturale du rempart, on ne peut évidemment pas faire l'impasse d'un relevé architectural. À partir des modèles 3D, ont été extraites des orthoimages géoréférencées avec la latitude et la longitude pour les plans et l'altitude pour les élévations. Ces fichiers ont servi de base au relevé architectural réalisé par Magali Huy, architecte, dans le cadre d'une collaboration en 2019 et 2020. La précision de ces modèles a été élaboré de manière à permettre l'export des orthoimages à une résolution suffisante pour faire le relevé à l'échelle 1/20, qui est l'échelle par excellence du relevé monumental. Les relevés ont été réalisés sous AutoCAD pour les plans, soit Adobe Illustrator pour les élévations. La chaîne de travail a été l'occasion donc, de tester de nouvelles choses et surtout d'accélérer drastiquement le processus pour aboutir plus rapidement au dessin honnête. Donc, d'une année sur l'autre, on a même accéléré le travail. En 2019, donc on est parti des orthoimages, donc ici c'est un segment de la courtine du rempart nord-est, qu'on a imprimé sur des planches A3 au format papier et à l'aide de calque au format papier aussi. On a fait avec l'architecte Magali Huy les observations et les annotations nécessaires sur le terrain. Tout cela a été transféré sur un logiciel de dessin vectoriel pour arriver au dessin honnête. En 2020, on a suivi la même procédure
et en supprimant l'étape papier, pour ainsi dire, puisque à partir des orthoimages, les annotations et les observations sur le site se sont directement faites avec, à l'aide d'une tablette sur un logiciel de dessin vectoriel, ce qui a permis d'accélérer encore et d'améliorer encore notre chaîne de travail pour arriver jusqu'au relevé. Cette nouvelle chaîne de travail a permis, en deux campagnes, de faire le relevé de la plupart des segments les plus significatifs pour l'analyse architecturale du rempart, c'est-à-dire le rempart nord-est, ici, en plan et en élévation, le rempart est, en plan et en élévation, et la zone de la porte sud, seulement en plan, puisque l'élévation n'est pas très pertinente. En outre, l'occasion de ces relevés et donc de toutes les observations détaillées sur les marques de construction, sur les marques de carrière. Donc, cette autopsie de détail sur le terrain, en collaboration avec l'architecte, a permis de préciser la chronologie relative de certains segments, de certains éléments. Par exemple, on est encore dans la porte nord-est. Là, ici, vous avez le mur sud du passage de la porte. L'ajout de ce petit bastion qui est assez visible au coup de sabre dans l'élévation. La documentation graphique créée par l'architecte va donc de pair avec la description et l'analyse architecturale que j'élabore conjointement avec l'architecte et je reviendrai en conclusion sur certains points de cette analyse. Pour revenir au terrain, découvrir de nouvelles choses, l'équipe d'Apollonia a d'abord mené des prospections, d'abord, pas forcément chronologiquement, mais c'est comme ça que je les présente. Comme je l'ai déjà mentionné, la ville antique d'Apollonia avait déjà fait l'objet de deux séries de prospections géophysiques par l'équipe française et l'équipe allemande, et ce qui avait permis de restituer de manière assez assurée le tissu urbain de la ville. Une nouvelle campagne a eu lieu en 2019, dans la perspective d'un renouvellement complet de la cartographie urbaine du site, principalement compte tenu des améliorations des outils, des techniques de prospection. Nous avons d'abord mené des prospections dans la ville basse, c'est toutes ces zones-là, les autres ce sont les images des prospections précédentes, où il n'y avait pas vraiment eu, en tout cas dans l'ouest, de prospection avant cette campagne. Et donc nous avons procédé à une série de longues bandes de 30 mètres de large pour pouvoir restituer le rythme des îlots et avoir l'assurance qu'il couvrait toute la superficie de la partie occidentale de l'aire urbaine. Nous avons ainsi pu restituer une séquence complète de 22 îlots de 64 mètres de large du nord au sud. Dans la plupart d'entre eux, on distingue l'organisation des maisons de l'époque hellénistique et romaine. Certains, toutefois, semblent vides, leur délimitation a été prévue, mais ils n'ont pas été édifiés. Des prospections ont également eu lieu dans la ville haute, là où il y en avait eu en 2004-2005, ce qui avait débouché sur les fouilles de l'Agora notamment. Et c'était là l'occasion de comparer, à 15 ans d'écart, l'amélioration des techniques et des outils. La grande nouveauté, c'est de pouvoir faire en même temps des mesures à des profondeurs différentes. À 2 mètres environ profondeur, c'est-à-dire donc les vestiges profonds à droite sur l'écran, on distingue très clairement les îlots archaïques et classiques de 13 mètres de large séparés par des sténopoïs, les rues. Entre un demi-mètre et un mètre de profondeur, les vestiges superficiels, on voit désormais apparaître un grand complexe couvrant la largeur de plusieurs îlots unifiés. Cela vient confirmer les résultats d'un sondage qui avait été mené en 2005 et qui avait montré que plusieurs de ces sténopoïs avaient été fermés entre le 3e et le 1er siècle avant notre ère. Dans le complexe repéré, on distingue au moins un grand péristyle et plusieurs rangées de pièces. S'agit-il d'une grande maison, d'un magasin, d'un ensemble de magasins? Je reviendrai sur cette question puisque ça concerne aussi les résultats des fouilles. J'en viens donc aux fouilles, qui est un petit peu le gros morceau de la soirée, même si ça fait déjà un petit peu de temps que je parle. Le projet de 2017, qui a démarré en 2017, prévoyait la reprise des fouilles. Les directeurs de l'équipe avaient proposé en particulier d'étudier les zones de transition urbaine, de passage, d'articulation entre les quartiers. L'une des situations les plus intéressantes semblait être celle du secteur de la porte nord-est.
Il se trouve en effet à mi-chemin entre les deux acropoles, à proximité de l'agora hellénistique, dont on ne connaît pas la limite orientale exacte. Il s'agit aussi d'un nœud topographique entre les quartiers d'orientation différentes, remontant pour certains à l'époque archaïque, hein, c'est ce que je vous ai présenté sur les réseaux urbains. C'était enfin un carrefour de voies importantes. L'une descendait de l'acropole nord, une autre sans doute de l'acropole sud. Un axe devait traverser l'agora pour relier le centre monumental romain à l'acropole nord. Enfin, une route importante sortait de la porte pour se diriger vers la vallée de la nécropole d'époque grecque. Cette route était en fait, selon toute probabilité, la branche méridionale de la Via Egnatia qui rejoignait la branche septentrionale partant de Dyrrachium et dans la région d'Elbasan. C'est dire l'importance que devait revêtir la porte elle-même, qui était pour ainsi dire l'un des deux points de départ occidentaux de cette Via Egnatia, cette grande voie romaine, et sans doute de ses prédécesseurs hellénistiques et même antérieurs. La campagne de 2019 a permis de mettre en œuvre ce nouveau programme de fouilles à la porte nord-est, avec l'ouverture de sondages exploratoires dans quatre secteurs de fouilles, que je vous présente ici, et que je présenterai plus en détail. Et avant de les oublier, je voudrais mentionner donc les chefs de secteur qui ont opéré, Linda Papi, Saïmir Shpouza, Lavdosh Yopay, Martin Jaillet, Fabien Bièvre-Perrin et moi-même pour deux secteurs. Donc, dans la perspective d'un programme de fouilles sur plusieurs années, cinq secteurs ont été délimités, un secteur, le secteur 4, n'a pas été ouvert. Et je commence par le secteur 1, qui est constitué de la porte elle-même et de son extension vers l'intérieur de la ville. On le sait depuis les fouilles antérieures et les travaux de l'Atlas que la porte présente le plan d'une porte à cour avec un couloir orienté est-ouest qui forme un entonnoir largement ouvert vers l'intérieur de la ville. Les opérations 2019 ont consisté à faire un nettoyage approfondi pour avoir les contours de ces murs le plus possible et d'une fouille dans le passage de la porte. Le mur nord du couloir de la porte était bien connu sur près de 30 mètres. Et il fallait simplement préciser ce contour, ce qui a été fait en enlevant les blocs en chute pour trouver les blocs inférieurs encore en place. À l'extrémité est, ça s'est fait assez facilement, enfin assez facilement non, mais disons que le résultat est plutôt cohérent, c'est les images que vous voyez là. À l'extrémité ouest, le dégagement de la surface de ces murs, donc c'est ici, hein, là c'est l'extrémité ouest de ce mur orienté est-ouest, désolé pour l'orientation de la photo. Ces travaux ici se sont faits dans le prolongement du dégagement du secteur 2B, ici, puisqu'on voit très clairement qu'un édifice de ce quartier d'habitation est venu s'appuyer sur le mur nord du couloir de la porte. Au sud, la situation est plus compliquée. À l'extrémité ouest du mur sud, là où on avait un gros bloc de conglomérat qui nous laissait penser qu'on avait le mur dont on voyait bien le départ, les résultats sont très peu probants et on n'a pas vraiment confirmation que le mur est encore là à un endroit ou à un autre. En revanche, à l'extrémité est, donc là on est près de la porte nord-est, sous les pierres qui indiquaient le départ du mur vers l'ouest, ont été mises à jour plusieurs assises formées de longs blocs, ce qui confirme que le mur est ici bien en place. Le traitement de surface des blocs est hétérogène et on ne sait pas s'il s'agit là d'un parement interne. D'autres blocs que vous voyez ici, qui semblaient d'abord en chute ou déplacés, sont en fait bien en place et forment un segment de mur oblique avec au moins trois assises en décrochement qui forment des gradins. Le dispositif pourrait être un contrefort d'angle, peut-être ajouté lors de la construction du bastion terrasse qui est au-dessus, ou bien appartenir à un état intérieur de la porte. La porte elle-même, depuis son dégagement par la Micochon en 1989, nous savons que la porte nord-est a été bloquée. Le blocage est clairement visible depuis l'extérieur. En revanche, la chronologie et les détails pratiques de ce blocage sont inconnus. Après un premier nettoyage de surface, dans le prolongement de la recherche des contours des murs, la zone située immédiatement après le blocage, vers l'intérieur de la ville et avant la cour de la porte, où se trouve une très, très grande quantité de blocs en chute, a révélé une couche homogène composée d'argile, et de fragments de briques de tuiles. Il a donc été décidé de faire une fouille stratigraphique de ce carré d'environ 2,60 m par 1 m
sur un, et que nous avons fouillé sur 1,20 m de profondeur avant, en s'arrêtant avant que tout s'écroule sur les fouilleurs. Cette fouille a mis en évidence que le remplissage était volontaire et organisé, puisqu'il alterne des couches argileuses avec des briques relativement homogènes, entre lesquelles s'intercale une couche de moellons en calcaire, c'est ce que vous voyez à gauche. Par ailleurs, dans certaines couches, vous le voyez déjà là sur la photo de droite et ici avec des photos de détail, une grande quantité d'ossements animaux, de chiens et de bovidés ont été trouvés, ce qui pourrait faire penser à des rituels liés aux portes, aux lieux de passage ou à un rituel de fermeture de portes. Tout ça devra être précisé. L'avantage des ossements d'animaux, c'est qu'avec des analyses de carbone 14, ça pourrait nous donner une fourchette chronologique pour le remplissage de ce blocage. La descente en profondeur dans ce carré a par ailleurs permis de dégager des assises supplémentaires des murs nord et sud du couloir de la porte et de révéler les premières assises du mur de blocage qui est donc fait d'un mur à double parement. Et cela laisse attendre des grandes élévations conservées pour les autres murs de la porte et des courtines. Le plan donc, de toute la porte nord-est a ainsi été précisé, en particulier au nord et dans l'angle sud-est. La porte se présente avec son couloir court en avant, de part et d'autre duquel sont conservées les rainures d'encastrement des montants en bois. Vient ensuite une sorte de cour allongée qui a subi de très fortes déformations dues à la poussée des terres depuis la terrasse sud, et à l'effondrement d'une partie haute des murs. Enfin, le couloir se prolonge vers l'ouest, de sorte que l'ensemble du dispositif a une longueur totale de 36 mètres. Par ailleurs, il est maintenant établi que la cour de la porte, une fois bloquée, a été remplie de manière volontaire et organisée et n'a pas simplement été enfouie sous l'éboulement qu'on en voit aujourd'hui. L'objectif des opérations futures sera de préciser la chronologie de ces étapes, notamment pour éclaircir l'articulation entre le blocage et le remplissage, et de dégager la cour de la porte pour en dresser le plan exact et les remaniements jusqu'à sa destruction. Je passe maintenant au secteur 2, donc qui est ce grand secteur au nord de la porte, qui correspond au quartier d'habitation, qui a été fouillé en plusieurs zones de fouille en réalité, avec un objectif principal qui était d'identifier les limites de l'îlot, limites ouest, nord, et est, je veux présenter les choses dans cet ordre-là, et en suivant des blocs, on a découvert cette structure que je présenterai ensuite. L'extension de ce quartier vers le sud n'était pas connue à cause des prospections qui avaient eu lieu dans cette zone, mais pas jusqu'à la porte, mais on imaginait que ça se prolongeait jusqu'au couloir de la porte. Là, le travail s'est aussi contenté d'un nettoyage de surface, d'un décapage de la terre végétale pour, en suivant des alignements de blocs la plupart du temps. Pour la limite ouest des îlots d'abord, on se situe ici avec une tranchée d'orientation nord-sud qui a coupé transversalement la destruction et qui en a atteint le fond, qui se trouve directement sur le sol géologique, sauf sur une bande ici d'environ 3 mètres orientée est-ouest et dont le bord nord se trouve à environ 13 mètres de la limite nord de l'îlot ici. C'est-à-dire qu'entre ici et ici, vous avez environ 13 mètres, ce qui est la dimension d'un îlot. Il s'agit là d'un surcreusement, on a une autre vue ici, d'un surcreusement antique qui a été rempli par une couche d'argile avec un ensemble de tessons relativement homogène et qui pourrait dater de la fin du 5e siècle ou de la première moitié du 4e siècle avant notre ère. Sous ce remblai se trouve la couche géologique. On peut donc supposer qu'on a affaire à la partie inférieure du sténopose de la rue qui bordait l'îlot au sud et qui a fait l'objet d'un creusement à l'époque archaïque ou classique et qui a été rempli. On peut également supposer qu'entre ce phénomène ici et le mur nord de la porte, on avait un autre îlot. Vous le voyez sur cette orthoimage aérienne, la situation est troublée, perturbée par différentes destructions modernes et antiques, avec une situation un peu similaire, un recreusement antique rempli de débris d'un édifice
ou de plusieurs édifices. La limite nord de l'îlot, maintenant, a clairement été identifiée par ce mur dégagé sur plus de 12 mètres et segmenté par ces techniques de construction en trois ensembles. D'abord, des gros blocs visibles sur une assise. Ensuite, un alignement de bois moellon irrégulier et de quelques briques. Et enfin, si vous voyez toujours ma souris bouger, et enfin, l'alignement d'une assise de moellon surmontée d'une assise de briques. À l'extrémité est de ce mur vient s'appuyer un autre mur fait de briques, et ces deux éléments délimitent un espace qui est pavé dans une orientation sud-est, de briques avec beaucoup d'irrégularités de niveau. Le caractère très superficiel des découvertes n'a pas permis d'y reconnaître une stratigraphie claire et les couches demeurent perturbées. Le matériel dans ce secteur est relativement peu abondant et présente un faciès chronologique assez large du 3e au 1er siècle avant notre ère. En tout cas, on a bien la limite nord de l'île, qu'on voit ici autrement, hein, donc ici le mur nord qui débouche ici, avec ici le mur nord-sud qui délimite un autre espace dont la nature n'est pas clairement identifiée encore. La limite orientale des îlots maintenant n'est pas connue, de même que l'on ne sait pas s'il y avait une voie périmétrale entre le rempart et le quartier d'habitation. C'est pour répondre à cette question qu'un grand sondage a été ouvert dans cet angle sud-est du secteur 2 pour connaître l'épaisseur du rempart et pour comprendre l'articulation du rempart avec les îlots et de la courtine avec la porte. Le secteur a fait l'objet de nombreuses destructions, encore une fois, mais nous y avons trouvé un segment de mur associé à une couche de remblai datée de la fin du 5e siècle avant notre ère, qui pourrait correspondre au premier remaniement du quartier, non pas à sa construction, mais à son premier remaniement. La strate céramique, la strate trouvée, est relativement homogène, a livré une série de fragments de skifoï et de coupelles à vernis noir, ainsi que des fragments du col et de l'anse d'un cratère à volute attique à figure noire de la fin du 6e siècle avant notre ère. On a pu également préciser la nature et le remplissage interne de la courtine et vérifier que dans la partie haute du moins, elle était liée au mur nord du couloir de la porte. Donc, dans ce secteur 2, on a identifié la limite ouest des îlots, la limite nord, la limite est, qui n'est pas vraiment très claire encore, et au milieu, en suivant des blocs affleurant immédiatement sous la couche végétale, a été mise au jour la moitié nord d'un péristyle à 8 colonnes d'une maison hellénistique que quelques indices encore très rares semblent dater du 2e ou du 1er siècle avant notre ère. Le péristyle est connu pour l'instant par trois murs composés de gros blocs et de moellons. Dans le mur nord, ici, a été renvoyée une stèle funéraire présentant dans sa moitié supérieure une inscription qui est ici cachée par la tablette. Et je laisse à François Quentin le soin de publier l'inscription. Et dans sa moitié inférieure, la trace bien visible d'une base de colonne partiellement pliée. Si l'on restitue la moitié sud du péristyle, qui est détruite par les travaux, je ne l'ai pas mentionné, mais cette zone est largement détruite, due à l'érosion et due aussi à la présence sur l'acropole, juste à côté, d'une base militaire dans les années 1980, et qui, donc du coup, ici, c'était une voie de circulation pour les chars et les fourgons militaires. Donc, si on restitue la partie sud, qu'on ne retrouvera probablement jamais, cette maison avait une largeur supérieure à celle de l'îlot. On pourrait supposer donc qu'elle couvrait deux îlots et le sténopos qui les sépare. Ce qui revient à la situation observée dans les prospections que j'ai présentées plus tôt. Et la limite nord semble reprendre une limite de l'îlot. La stratigraphie, là encore, est très perturbée, mais dans la maison, les niveaux d'occupation sont riches en matériel céramique, en particulier des amphores de transport tardo-républicaines. Et dans l'extension ici qui a été réalisée, la situation est encore plus complexe d'un point de vue stratigraphique, d'un point de vue des structures, et il n'y a pas grand-chose à en dire pour l'instant.
Alors maintenant, on sort de la ville. Hein, vous voyez là, c'était l'extension à la limite orientale des îlots pour s'intéresser à cette tranchée. À l'extérieur du rempart, donc c'est le secteur 3, un sondage a été implanté là où la courtine forme un angle. La fouille a permis de mettre en évidence une stratigraphie complexe associée à la fondation du rempart. Celle-ci est constituée de grands blocs bruts formant trois assises irrégulières superposées. Au-dessus commence l'élévation en blocs quadrangulaires plus petits et plus finement taillés, avec un traitement et des types de pierres qui différents, qui laissent penser qu'on a au moins une partie des blocs qui sont en remploi. La stratigraphie est donc conservée à partir de l'assise supérieure des blocs, des grands blocs bruts, et on observe une succession de niveaux de circulation marqués par des cailloutis plus ou moins denses, avec des concentrations de matériel archéologique dans des fosses creusées le long du parement. Il faudra attendre l'étude précise de ces ensembles, grâce aux référentiels céramiques qui seront publiés, pour dater ces différentes phases. Mais on peut d'ores et déjà observer que la couche inférieure, qui repose directement sur le substrat géologique et sur laquelle reposent en partie les blocs de l'assise inférieure de la fondation du rempart, donne un terminus postquem pour la construction du premier état conservé de la courtine à la fin du IVe siècle ou au début du IIIe siècle. C'est aussi la date que l'on peut attribuer au premier niveau de circulation qui ressemble à une voûte, qui a fait ensuite objet de plusieurs recharges avant d'être recouvert par un nouveau remblai qui semble dater du 1er siècle avant notre ère. Voilà, comme si on sortait de cette tranchée, on se dirige vers la porte, hein, donc pour vous resituer. Et maintenant, on va dans le dernier secteur de fouille, sur cette terrasse, ici, le secteur 5. Les opérations qui ont été menées ont consisté encore en un nettoyage approfondi visant à confirmer la présence de murs à partir des blocs affleurants dans une zone où la prospection géophysique de 2004 indiquait la présence d'une anomalie importante. La principale structure découverte se situe au centre de la terrasse où l'enlèvement de la terre végétale a permis de mettre au jour le haut de la fondation d'un édifice rectangulaire orienté nord-sud, à peu près parallèle à la courtine. Seuls trois côtés sont conservés de ce bâtiment, qui se présente donc pour l'instant en forme de pie, ouvert vers le sud. Le mur nord est conservé sur toute sa longueur, 7,70 m, tandis que les deux longs côtés s'arrêtent à 10,30 m à l'est et 11,40 m à l'ouest. Il s'agit sans doute de spoliation de ces murs, puisque à l'extrémité de ces nettoyages, ici, on a identifié ce qui pourrait être des éclats de taille, qui font penser aux tranchées de spoliation trouvées dans les fouilles du portique de l'Agora. Sans toucher à la stratigraphie et grâce au mouvement de terrain, nous avons identifié jusqu'à trois assises et identifié la construction du mur qui est fait de blocs travaillés et parés pour le parement, puis de moins longs de taille moyenne à l'arrière, organisant une sorte de blocage entouré d'argile jaune. Le dégagement de ce bâtiment a livré de nombreux vases miniatures anti-fragmentaires. Ce sont les mêmes types que ceux qui ont été trouvés dans les fouilles du secteur C, conduites par Skander Anamali en 1958, et que ceux trouvés lors du nettoyage de la courtine nord-est immédiatement contrebas en 2018. Un petit dépôt en particulier a été mis au jour dans l'angle nord-ouest du mur, dans le remplissage. Il comportait une vingtaine de vases miniatures entiers, ainsi qu'une perle ou une baie de couronne en terre cuite. Ce matériel céramique est généralement daté du IIIe siècle, en particulier parce qu'il est le plus souvent associé à des coupes carénées plutôt bien datées. Il s'agit peut-être d'un dépôt votif lié à la fondation du bâtiment. La présence de ces vases miniatures dans le bâtiment, et en particulier sous la forme d'un dépôt, remet en cause l'hypothèse avancée jusque-là, à savoir que cette terrasse bastion avait été construite avec un remblai provenant d'une zone de sanctuaire à son emplacement ou en contrebas, et que la vase miniature qu'on y trouvait provenait du dépotoir du sanctuaire. La coïncidence entre le bâtiment en pie et les vases miniatures montre au contraire que ces vases sont contemporains de l'utilisation de la terrasse qui supportait donc probablement elle-même un sanctuaire. L'exploration exhaustive de ce bâtiment devra tenter de préciser son architecture, sa fonction et sa datation. Les sondages effectués dans le secteur de la porte nord-est en 2019 permettent de proposer une datation pour la face visible du rempart dans ce secteur, de restituer la partie méridionale du quartier d'habitation
remontant à l'époque archaïque et de suivre ses remaniements à l'époque classique et à la fin de l'époque hellénistique, la forme même de la porte et les modalités de son bouchage puis de sa destruction sont plus claires. Il reste à vérifier si l'édifice mis au jour sur la terrasse méridionale avait une fonction cultuelle. Revenons donc aux questions et aux axes problématiques que j'ai abordés au début de cette présentation. Chronologie et morphologie générale du rempart, évolution de la ville et des réseaux urbains et spécificités apolloniennes. À mon sens, les recherches menées ces dernières années à Apollonia et qui sont encore en cours apportent des réponses plus ou moins abouties, mais à chacun de ces points. Sur la ville d'Apollonia d'abord, d'énormes progrès ont été réalisés grâce aux prospections géophysiques et aux fouilles du quartier d'habitation. Il y a là un très gros potentiel à très court terme, avec la volonté de renouveler entièrement la cartographie urbaine d'Apollonia en utilisant les outils et les méthodes modernes de prospection géophysique qui permettent d'aller plus vite et d'avoir des données encore plus précises. Et sur ce point, l'engagement du laboratoire à Auroch est déterminant. Sans attendre ce délai, les réflexions sur la topographie générale de la ville ont pris une tournure tout à fait concrète dans le cadre d'un partenariat avec la licence professionnelle chargée de communication culturelle et multimédia de l'Université de Cergy, avec l'élaboration d'une reconstitution virtuelle en trois dimensions de la ville à l'époque romaine. Cette reconstitution est à la fois un instrument heuristique qui nous permet de dégager pour les prochaines années les questions d'urbanisme qu'il faudra résoudre, une expérience de formation, un point sur lequel le programme franco-albanais d'Apollonia est très attaché, y compris dans les campagnes de fouilles, et un support de valorisation des recherches, principalement auprès du grand public, par le biais d'une maquette qui sera réalisée par le parc archéologique d'Apollonia, dirigé par Ornella Dursch-Michai, et je me permets de signaler, de la saluer et de nous féliciter collectivement de la collaboration avec elle, qui est toujours aisée et fructueuse. Le schéma général de l'évolution du rempart, morphologiquement et chronologiquement organisé en trois phases, que j'ai mentionnées plus haut, pose un certain nombre de problèmes quand on cherche à le confronter aux preuves archéologiques et historiques. En réalité, il faut distinguer l'évolution de la ville, qui est maintenant bien connue, bien documentée et relativement bien datée. Le développement du tissu urbain et des réseaux viaires connaît au moins deux phases, avec la ville archaïque classique dans la zone haute, et la ville hellénistique qui occupe l'ensemble de la surface circonscrite par le grand circuit du rempart, et donc cette ville hellénistique dont l'implantation va de pair avec des remaniements importants dans la ville haute également. Pour le rempart, les certitudes sont moins nombreuses et mes premières conclusions, à l'issue de quelques années de recherche bibliographique, d'analyse architecturale et de fouilles, consistent principalement à remettre en question les datations avancées jusque-là. Existait-il un rempart archaïque ? Existait-il un rempart autour des acropoles ou de la ville haute? Pour l'instant, il n'y a aucune preuve de l'existence d'un rempart archaïque. Aucune mention du rempart dans les sources littéraires ne concerne une période antérieure aux guerres des Diadoques. La courtine nord-est, dans laquelle, que vous voyez à l'écran, dans laquelle on pouvait espérer reconnaître le rempart archaïque, ou sous laquelle on pouvait espérer qu'il aurait été conservé, a été construite au plus tôt à la fin du IVe siècle et plus vraisemblablement au IIIe siècle. Une datation qui correspond aussi au faciès chronologique des fouilles réalisées dans une tranchée de fondation sur le rempart Est par Sophie Bouffier et Lavdoche Yopai. L'analyse architecturale du rempart Est, encore en cours et dont je viens de recevoir les derniers relevés, laisse également penser que ce qui était souvent présenté comme un vestige du rempart archaïque sur lequel la construction hellénistique se serait installée est en réalité comparable à la courtine du rempart nord-est. La datation, qui devra être précisée et confirmée par des sondages, se situerait donc plutôt à l'époque hellénistique. Les murs qui entourent, très partiellement aujourd'hui, les acropoles ne sont pas à première vue ou en premier lieu des murs de fortification. Ils jouent principalement le rôle de murs de soutènement avec des murs à gradins autour de l'acropole nord, sur lesquels il faudrait supposer une élévation lisse pour assurer une défense, et avec des murs de fond de grands bâtiments de centre monumental pour l'acropole sud, sauf le mur de Téménos, qui est ici, et dans lequel je reconnaîtrai volontiers ce que son nom indique, c'est-à-dire le mur d'enceinte d'un sanctuaire. C'est en réalité le plan de Camillo Prachnicker, publié en 1922-1924, avec ses nombreux murs intérieurs,
qui a conduit plusieurs générations de chercheurs à supposer que les acropoles étaient fortifiées. Le fait est que l'archéologue autrichien est venu à Polonia avec l'extrait de la guerre civile de César en tête, où il est question de l'acropole, Arx, la Polonia, et des fortifications qui y sont faites en urgence avant l'arrivée de César. L'hypothèse qu'il formule alors, celle que les deux collines forment l'acropole de la ville, a fait naître l'idée d'un premier rempart qui n'aurait entouré que la ville haute et les deux acropoles. Même si cela était vrai pour le 1er siècle, au moment de l'arrivée de César, supposer que cela correspondait à la situation initiale des fortifications à l'époque archaïque ou classique est pour ainsi dire un anachronisme. Les murs intérieurs de Prachniker n'ont pas été retrouvés ou identifiés depuis. Tel qu'on le connaît aujourd'hui, le rempart d'Apollonia est donc composé du grand circuit de 4500 mètres de périmètre. Les indices chronologiques disponibles orientent tous vers une construction du rempart d'Apollonia à l'époque hellénistique, à la fin du IVe siècle, au début du IIIe siècle, probablement en même temps que l'implantation du réseau urbain des grands îlots, ce que confirme l'implantation d'îlots qui n'ont pas été construits. Et c'est encore durant la période hellénistique que plusieurs phases de renforcement successifs ont dû se succéder. Le chaînage des murs entre eux et des murs avec les ouvrages de flanquement permet de comprendre qu'un certain nombre de tours et de bastions, sinon tous, oserais-je avancer, ont été ajoutés dans un second temps, après la construction de la courtine, parfois sous la forme de grands ensembles. Alors j'ai remis ici la porte nord-est avec l'ajout de petits bastions dont j'ai déjà parlé. Les deux images de droite concernent le rempart est avec la courtine qui part au sud de la porte est, qui n'est pas chaînée avec le mur qui délimite la porte, ni sur son parement externe ici en haut, ni sur son parement interne ici en bas. Et vous avez ici le bastion qui est ajouté sur un rempart est un peu plus au sud, en dessous du monastère, et qui lui non plus n'est pas chaîné avec le mur de fond. L'évolution des techniques de siège et de défense, avec le développement de l'artillerie, en particulier des catapultes à torsion, conduit à attribuer aux tours, notamment, dont j'ai peu parlé, mais il faudra en parler davantage, une date postérieure à la fin du IVe siècle. Leur grande superficie permet en effet d'y installer des catapultes à torsion dont l'apparition est bien documentée et datée. Par ailleurs, au moins certaines des tours sont antérieures à 215, puisque lors du siège de la ville par Philippe V, le rempart en comporte déjà plusieurs. L'histoire du rempart se précise donc un peu pour la période hellénistique, mais la situation doit encore être éclaircie pour le reste de l'histoire d'Apollonia qui s'étend du 7e siècle avant notre ère au 5e, 6e siècle de notre ère. C'est le sens des opérations de terrain prévues pour les prochaines années, en particulier des sondages stratigraphiques. Plus généralement, s'il est évident qu'il faut étudier conjointement le rempart et l'urbanisme, la construction et les reconstructions des fortifications et le développement de la ville, il faut se garder d'appliquer trop directement les évolutions de l'un à l'autre. Les modèles de développement des villes et des cités antiques associent très souvent l'existence d'une ville à la présence d'un rempart, c'est-à-dire qu'ils considèrent comme automatique et constante la technicisation de la force de la communauté politique constitue le rempart, alors que cette artificialisation n'est pas toujours nécessaire. L'étude détaillée et approfondie du rempart comme monument unique et multiséculaire doit compléter et trouver des échos dans les autres études qui permettent de mieux connaître l'histoire de la ville. C'est ainsi que l'interaction entre rempart et urbanisme trouvera son sens, et aussi dans une histoire plus large du développement urbain dans les Balkans, histoire dans laquelle la spécificité d'Apollonia sera réévaluée. Cela demande une démarche collective, avec de nombreuses collaborations entre les chercheurs et les disciplines, toutes choses qui sont déjà à l'œuvre dans la grande équipe d'Apollonia. Je vous remercie.